Est-il possible d'obtenir 100 cadeaux gratuitement sur Fortnite? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Salut frérot, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Ouais, dis-moi. Déjà pour commencer, t'as combien de V-Bucks? J'en ai plus de 2000. Oh, c'est super. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais m'offrir 2 cadeaux et je te promets, je te rembourse dans 2 jours? Ouais. T'inquiète, hein, je te promets, c'est pas de l'arnaque. Ok, et tu veux quoi dans la boutique? Ce que tu veux, je m'en fous. D'accord, je t'envoie ça maintenant. Ok, c'est bon, j'ai reçu mon premier cadeau. Par contre, comment ça, c'est un coffre au trésor? Bref, allez, go l'ouvrir. Et magnifique, j'ai reçu le skin soldat laineux. Allez, j'espère qu'il m'a offert mon deuxième cadeau. Et oui, let's go! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une danse TikTok Blinding Light, incroyable! Bon, les gars, là j'ai déjà reçu 2 cadeaux et vous inquiétez pas, c'est que le début. Salut mon pote, est-ce que tu pourrais m'offrir des cadeaux? Non, avec moi, rien n'est gratuit. Par contre, je peux te proposer un défi et si tu le réussis, je t'offre des cadeaux. Ok, je suis chaud. Bonne chance à toi, c'est un 1v1 box fight, le premier en 3. Merci, à toi aussi. Par contre, j'ai oublié de te dire, mais si c'est moi qui réussis le défi, tu devras m'offrir toute la boutique. Pas de soucis, je pense que t'as oublié que t'affrontais un joueur pro. Il a eu de la chance. Ok, crack, on stresse un peu ou quoi là? Ok, box. Oh là 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 là, ça dégage, 1-0, let's go. T'as eu que de la chance. Prépare-toi à prendre la fessée de ta vie, car je sens le 3-0 arriver. T'inquiète pas frérot, c'est moi qui vais gagner ce défi. Ok, j'ai hâte de voir ça. Ok, voilà, moins 64. Il est tombé, il stresse trop. Crac, alors on bégaye? Putain, mais ma collection elle bug. Arrête de trouver des excuses, j'ai juste 100 fois ton level. Oui, let's go, le 2-0! Mais c'est pas possible, comment tu fais? Moi, j'ai juste un truc à dire, t'aurais jamais dû défier un joueur pro en 1v1. T'inquiète pas, c'est pas encore fini. Ok, ok. Ok, moins 99. Le 3-0 arrive dans quelques secondes. Oh là 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 là, le pré-shot! Mais c'est quoi cette balle que tu m'as mis? C'est le talent, mon pote! Oh là là, j'ai trop le seum. Bon, allez, je vais lui offrir 3 cadeaux. Oh, super, il a tenu parole, il m'a offert un cadeau. Alors, qu'y a-t-il dedans? Oh, le skin saucisse, trop stylé. Et avec en plus, j'ai une petite traînée. Ok, ok, super. Oh, c'est pas fini, il m'a offert un deuxième cadeau. En plus, c'est pas un truc de merde, c'est une pioche. Je suis trop content, ça m'aide de ouf pour mon défi. Et c'est pas encore fini, il m'a offert un troisième cadeau. Oh, un petit planeur, pas mal, pas mal. Me dites pas qu'il y en a un quatrième. Non. Ah non, c'était sûr, ça aurait été trop beau. Mais bon, c'est déjà incroyable, car là, on est à un quart de mon défi. Yo mec, t'as combien de V-Bucks? 13 950. Quoi, mais c'est pas possible? Bah si. Je rêve ou j'ai croisé le nouveau enfant le plus riche de tout Fortnite? Je crois bien que oui. Ok, bah tu peux m'offrir un cadeau s'il te plaît? Seulement si tu me bats à Color Switch. C'est quoi ça? C'est une map où tu dois aller sur la bonne couleur et ça commence maintenant. Ok, donc là si j'ai bien compris, je dois aller sur la couleur verte. Ok, super, je suis pas mort et toi non plus. Je te préviens mon pote, je vais te battre. Bah, ce qu'on verra. Ok, super, là je suis sur la couleur rouge, lui aussi. On dirait t'as pas envie de te laisser faire, hein. Je suis imbattable à ce jeu. Ok, c'est ce qu'on verra. Ok, maintenant la couleur orange, super. Et let's go, il est mort. Non, je me suis fail. À moi le cadeau. Comme je vous l'ai dit les gars, je suis très très riche. Et comme j'ai perdu les gars, je vais lui offrir le skin tyran. Super, cet enfant riche m'a vraiment envoyé mon cadeau. Qui est le skin tyran? Oh là là, la dinguerie. Sub, j'ai appris qu'en ce moment t'avais besoin de cadeaux. Et ça tombe bien car il y a pas longtemps j'ai reçu 15 000 V-Bucks pour mon anniversaire. Et tu sais quoi, si tu me bats en 1v1 build fight maintenant, je t'en offre une partie en cadeau. Ok, je suis beaucoup trop chaud, c'est le premier en combien? C'est le premier en 3 manches gagnantes. Ok bah let's go, c'est parti, bonne chance à toi. Est-ce que tu penses me battre? Il est trop fort! Non mais je vais pas gagner, c'est impossible! Qui t'a appris à faire ça? C'est mes techniques secrètes. Ok, touché, fais gaffe à toi! Car Supugo il peut contrer des techniques secrètes. J'ai un HP. Ok, touché. T'es en train de stresser là. Mais n'importe quoi, t'es en train de m'arracher! Ok, touché encore, mais pourquoi je mets que des petites balles? Crac, enfin! Non! Allez, 1-0, bien joué à toi. Bien joué surtout à toi, je savais pas du tout que t'étais aussi fort. Allez, je me concentre, là j'active le mode joueur pro. Il m'a déjà mis une balle. Ok, touché 90. Ah là, je sens que tu t'es amélioré. C'est normal, j'ai activé le mode joueur pro, mon pote. Oh, let's go! Allez, 1-1, la remontada, elle arrive. Là, je te préviens, tu vas pas voler les V-Bucks de mon anniversaire. Ah bah fais gaffe, hein, c'est 1-1. Si je gagne, je serai obligé de t'envoler une partie, comme tu me l'as promis. Ok, boxé, crac. Let's go, 2-1. Allez, c'est reparti, et c'est peut-être la dernière manche. Il est trop fort, il est trop fort, il m'a explosé. 2-2. C'est la remontada, mon pote. Non mais t'es un niveau incroyable. Comment tu fais pour me chiton à ton âge? C'est le talent, mec. Ok, ok, je vois ça. Allez, c'est la manche finale. Ok, touché 42. Il m'a touché, oh là 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 là. Bon bah je pense que je suis officiellement mort, il a repris la hauteur et il vient encore de me toucher. Bah alors, on est tombé? T'avoue, je tremble un peu, j'ai peur de perdre mes V-Bucks. Oh, t'inquiète, même si je te bats, tu vas pas en perdre beaucoup. Ok, touché. Crac! Il a un HP. Ouh.
Ok, let's go Maro, j'ai trop chaud. Je viens de gagner 3 de mon pote. T'as de la chance, il te reste un HP à la fin. J'avoue, j'ai eu beaucoup trop chaud. Bon, allez, bref, je t'offre tes cadeaux. Ok, merci infiniment mon pote. Avec plaisir. Ok, super, j'ai bien reçu mon premier cadeau. Où dedans, il y a la danse mort-vivant. Et il m'a aussi offert un deuxième cadeau. Et là, par contre, c'est pas une danse, mais un skin. Allo, Team You ou Sup? Ouais, allo. J'ai une question, t'as combien de V-Bucks? J'en ai 21 000. Non, mais comment ça se fait que depuis tout à l'heure, je tombe que sur des enfants riches? Comment t'as fait, toi, pour avoir tout ça? Je suis juste l'enfant le plus riche du monde. Oh là là, bah c'est incroyable. J'ai l'impression d'être ami avec tous les enfants riches de Fortnite. Bref, du coup, est-ce que tu pourrais m'offrir des cadeaux comme t'es riche? Ouais, si tu réponds à mon quiz. Ok, avec plaisir. Première question, quel code créateur faut mettre dans la boutique? Je pense que c'est le code SUPRO. Ouais, bonne réponse, tu viens de remporter un cadeau. Oh là là, il a pas le temps, il me l'a déjà offert. Et qu'est-ce que c'est? Yes, c'est la pioche flamant rose. Je la voulais trop. Merci beaucoup frérot, t'es un boss. Avec plaisir, mais c'est pas encore fini. Deuxième question, qui est le joueur le plus fort de Fortnite? Je dirais Sup Hugo. Exact, deuxième bonne réponse. Du coup, tu viens de remporter un nouveau cadeau. Mais cet enfant est incroyable, il m'a vraiment offert mon deuxième cadeau. Et en plus, c'est le skin Guach qui coûte super cher. Franchement mec, merci infiniment, j'ai pas les mots. T'inquiète, c'est rien. Je te laisse, je vais aller offrir des cadeaux à d'autres gens. Ok. Bienvenue dans mon quiz. Si t'arrives à me battre, je t'offrirai plein de cadeaux. Ok, ok. Ça marche. Est-ce que ton skin, il se mange? Je dirais que non. Du coup, je peux casser les gens qui se mangent. Attends, mais j'enlève tout là. Ok, bah je crois que c'est bon. Oh là là, il a enlevé tellement de cases. Allez, ça à moi. Est-ce que ton skin est une banane? Eh bah écoute, Sup Hugo, non, mon skin, ce n'est pas une banane. Ok, alors j'élimine cette banane, cette banane, cette banane, cette banane. Et voilà, c'est fini. C'est à ton tour. Ok, Sup Hugo, est-ce que ton skin, il a un masque? Non, absolument pas. Ok, il a pas de masque. Donc le chevalier noir, au revoir. Le chevalier, au revoir. Et bah je crois qu'on est bon. Ah non, il y en a un ici aussi. Je crois qu'on est bon. Ok, c'est à moi. Est-ce que ton skin est comestible? Sup Hugo, oui, mon skin, il est comestible. Ok, super. Alors, j'élimine Mio's Clé, car le chat, ça se mange pas, à part en Chine. J'élimine la Vénarde, la Chevaleresse, ce skin bizarre, ce Bambi en pyjama, un autre chat, la Renegade Trader, ce beau petit skin, ce chevalier, cet autre chevalier, et ce lutin, et aussi lui, et lui. Et c'est bon, j'ai enfin fini. T'as éliminé toute la France, là. Eh ouais, frérot. Je pense que tu vas devoir m'offrir plein de cadeaux. Alors là, j'ai une question, Sup Hugo. Est-ce que ton skin, c'est un humain? Oui, absolument. Ok, donc le poisson, ça part. L'autre poisson aussi. Je sais pas ce que c'est ça, ça part. Kit, tu dégages. Twisty, tu bouges. Bendy, au revoir, tu pars. Et Miaou Scoulé, au revoir. Oh là là, c'est beaucoup trop serré. Il lui reste plus que 5 cases. Et à moi, il m'en reste 6. Alors, pour ma prochaine question, Souche, est-ce qu'il y a de la tomate dans ton skin? Sup Hugo, non, il n'y a pas de tomate dans mon skin. Ok, alors ce skin burger, on voit qu'il y a une tranche de tomate. Du coup, ça dégage. Celui-là, pareil. Ça, c'est une grosse tête de tomate. Du coup, ça dégage. Celui-là aussi. Dans le hot dog, il n'y a pas de tomate. Et dans celui-là non plus. C'est à ton tour, mon pote. Oh là là, les gars, c'est hyper serré. Sup Hugo, ton skin, c'est une fille? Non, malheureusement, c'est pas une jolie blonde, mais un garçon. Alors, déjà, Renegade, tu t'en vas. Fresh Aura, tu bouges. À toi, Sup Hugo. Oh là là, c'est beaucoup trop chaud. Bah, moi, j'ai une petite question. Est-ce que ton skin a des lunettes? Mon skin n'a pas de lunettes, Sup Hugo. Je pense alors que j'ai gagné, car je supprime ce poisson lunette et ce hot dog lunette. Et du coup, normalement, ton skin, c'est le fichtique? Oui, c'était ça. T'as gagné, Sup Hugo. Let's go, je viens de remporter plein de cadeaux. Punaise les gars, il a gagné, je suis dégoûté. Oh, je suis content, je viens de recevoir mon premier cadeau de Souche. Oh, il est trop gentil, il m'a offert un skin. Est-ce qu'il m'a offert un deuxième cadeau? Et la réponse est oui. Et c'est une magnifique pioche, ok, ok. Et imaginez, jamais 203. Eh, magnifique, il m'a vraiment envoyé un troisième cadeau. Par contre, je vous avoue, il est un peu moins bien que les deux premiers. Bref, gros merci à lui. Mais quoi, il y en a encore un? Et c'est une danse qui m'a l'air incroyable. Depuis le début, le défi se passe super bien, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Salut, est-ce que tu peux m'offrir un cadeau? Non. Salut, t'as des V-Bucks? Non. Yo BG, je peux avoir un cadeau? Non. Coucou, t'as des V-Bucks? Non. Salut frérot, est-ce que tu pourrais m'offrir un cadeau s'il te plaît? Non. Comme vous l'avez vu, je me suis fait recaler des dizaines de fois, jusqu'au moment où... Allô frérot, est-ce que t'as des V-Bucks? Ouais, j'en ai 600. Ok, ok, tu pourrais m'offrir un cadeau s'il te plaît? Vas-y, je suis chaud. C'est un boss, il me l'a vraiment offert. Et dedans, il y a une belle danse TikTok. Zerose, s'il te plaît, offre-moi 5 cadeaux dans la boutique. Non, Sup Hugo, c'est mort! Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux en échange. Mais tu sais quoi, Sup Hugo? Je te les offre si on fait top 1 maintenant. Pas de soucis, on va tous les détruire. Ok, il est en HP. Mort. Le deuxième, il est juste là. Ok, mort aussi. Crac. Mort. Touché. Ok, il est bientôt crack. Mort. Laser. Crac. Crac.
Mort. Allez, on est en top 4, Zeros. On est en 2v2 finale. Ils sont juste au-dessus de nous. Un mort, c'est plus gros. Ok, on est en 2v1. Crac, il a un HP. Oui, let's go, Zeros, le top 1. Oh là là, il était magnifique, ce top 1. Bon bah, mon pote, là, on est dans le lobby. Et du coup, là, comme tu me l'as promis, tu dois m'offrir mes 5 cadeaux. T'inquiète, Chupugo, encore GG pour ce magnifique top 1. Et je t'envoie tout ça maintenant. Ok, merci, Zeros. Allez, ciao. Allez, hop, là, j'ouvre le premier. Ok, un revêtement dégueulasse à 300 V-Bucks. C'est un peu nul, mais bon, go voir le deuxième. Non, il m'a arnaqué. Allô, les gens. Oui, allô. Est-ce que les gars, je pourrais avoir un skin, s'il vous plaît? J'ai pas la 2M, désolé. Vraiment, les gars, j'ai besoin d'un skin, j'ai pas de V-Bucks, je suis pauvre. Allo, les gars, j'ai crash. Memen. Oui, quoi? Est-ce que tu pourrais m'offrir un skin, s'il te plaît? Moi, je te défie en 1v1, et si tu me bats, tu remportes un skin, ça te va? Vas-y, mon gars, tu m'ajoutes et on va dans le lobby. Vas-y. Allo, mon ami Memen. Ouais, allo. Ça va, mon pote? Ouais, en vrai, toi? Moi, ça va, tranquille. D'ailleurs, j'ai un truc à te demander. Ouais, dis-moi. J'aimerais savoir pourquoi t'as pas de skin, en fait. Genre, t'as de la monnaie, genre, achète ton skin. Mon ami Humaine. Oui, quoi? Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Je viens de commencer Fortnite il y a une semaine. Ah, c'est normal, du coup. Bon, là, je vais te défier en 1v1 box fight. Si tu gagnes, tu remportes un skin, ça te va? D'accord, Humaine, merci mon pote. Bah, c'est parti, on met prêt et go en box fight. Et c'est parti pour le box fight premier en 3. Si je bats Humaine, il m'offre directement un skin. Ouh. Oh là là, il est trop fort. Bien joué, Memen, 1-0. I'm joking. Memen, s'il te plaît, calme-toi, j'ai peur. Oh non. Oh, la chance que t'as eu. 1-1, Memen. Let's go. Memen, est-ce que t'as envie de garder tes V-Bucks? Ben, en vrai, ça dépend du match. T'es trop fort, en fait. Hop là. Oh là là, Memen. Non. Bien joué, Memen. 2-1. Si tu gagnes cette manche, tu as gagné les manches et tu ne devras pas m'offrir de skin. Oh là là, Memen, arrête de spam. Hop là, 2-2. Bien joué, Memen. Merci, cette manche-là, je la gagne, tu vois. Là, mon gars, c'est la balle de match, hein. Si je te bats, tu vas m'offrir mon premier skin. Ouh. Putain, la grosse balle, Memen. Ah, t'es mal, là. De fou. Hop là. Memen, faut pas tirer là, faut se shield. Ah ouais, pas faux. Hop là. Non. Bien joué, Memen, je viens de gagner 3-2. Je t'ai fait une grosse remontada. Bon bah, Memen, comme je t'ai battu 3 manches à 2, j'attends maintenant mon cadeau. Ouais, du coup, tu devrais un peu attendre parce qu'en fait, mon père recevra une livraison de V-Bucks dans 5 jours. Où ça? À la maison. D'accord, d'accord, Memen. Bon, je te fais confiance et à dans 5 jours. Bye bye. Allo les Bambi? Bah, c'est toi qui as un skin Bambi. Mais j'avais une question. Quoi? Est-ce que vous pouvez m'offrir un skin? Moi, j'ai ouais. Pas la 2M. Qui a dit oui? Moi, Ethan. Ethan, accepte-moi, je t'ajoute en ami. Il y a trop de gens là, les gars, calmez-vous s'il vous plaît. Oh, Ethan, je quitte et je t'invite. Allez, bisous les mecs. Bon, Ethan, c'est bon, je t'ai ajouté. On est à deux dans le lobby. Et maintenant, j'aimerais savoir les skins que t'as envie de m'offrir. Bah, là, je vais vite arrêter. Mon ami Ethan est parti manger. Et en attendant qu'il aille manger, j'ai reçu ses messages. Belinda m'a dit, je t'ai envoyé un cadeau. Après, il m'a dit, mec, je t'ai envoyé un cadeau, mec, j'ai claqué des V-Bucks pour rien. On va directement l'inviter. Allo, Belinda? Ouais. Ça va ou quoi, mon pote? Ouais, c'est pour te dire, je t'ai offert un cadeau. Du coup, là, Belinda, t'es en train de me dire, tu m'as offert un cadeau? Oui. Et pourquoi je l'ai pas reçu? Essaye de relancer ton jeu. Ah, du coup, je dois relancer mon jeu et après, je vais recevoir mon cadeau? Oui. Bon, bah, d'accord, mon gars, je relance directement mon jeu et je te dis le cadeau que j'ai reçu. Ok. Bon, bah, les potes, on est en train de relancer notre jeu car notre ami Belinda nous a dit qu'il nous avait envoyé un cadeau. Et j'ai hâte de voir si c'est vrai ou si il m'a menti. Au moment où je vais appuyer sur jouer, on va savoir la vérité. 3, 2, 1... Oh! Mais c'est incroyable! Le mec m'a vraiment offert un cadeau! Oh là là, j'ai trop hâte! Mon premier cadeau pour mon compte qui va devenir un compte à 1000 euros dans pas longtemps. Hop là, ouvrir... Oh! Main de jazz! Allo Belinda? Oui. Mais merci mon pote pour ton cadeau, je l'ai vraiment reçu! De rien, petit bambi. Et en fait, pourquoi tu m'as offert ce cadeau? Quand je vois qu'il y a des personnes qui ont pas de skin, j'ai quelques V-Bucks, des choses comme ça, bah j'offre. Belinda, tu sais que tu es le boss et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Là les potes, on est parti pour le jour 2. Allo les Bambi? Vas-y, excluez, mets ton groupe en privé. Non les gars, écoutez-moi, c'est urgent, c'est urgent. C'est quoi? J'ai une urgence les mecs. Ouais, vas-y, vas-y. Offrez-moi un skin s'il vous plaît. Tu souris troll. Les gars, soyez plus gentils avec moi, frère, je viens de commencer, non. Donc m'agressez pas comme ça. Non mais t'es pas très fort mec, mais offrez-moi un cadeau s'il vous plaît, juste. Rejoins mon groupe, je vais quitter, je t'invite. Allo? Allo Sarah? Oui. Déjà désolé, je suis un peu timide, hein. Quand je parle aux filles, je suis très timide, du coup je vais pas oser trop parler. Du coup tu m'as invité, pourquoi? Tu voulais que je t'offre quelque chose? Oui, s'il te plaît. Par contre,
que 300 V-Bucks, hein. Ce n'est pas grave, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'un skin. Dis-moi quand même le skin que tu veux que je t'offre dans la boutique. C'est vrai, Sarah? Oui. D'accord, bah je vais regarder maintenant la boutique. J'aimerais bien voir le skin Victoria Saint. Je le trouve très joli. D'accord, mon papa va te l'offrir demain. Oh, merci Sarah, trop gentil. Bon bah je te dis à demain. À demain. Les mecs, est-ce que quelqu'un pourrait m'offrir un skin, s'il vous plaît? Pourquoi t'as pas de skin? Bah Warren, je t'explique, mon gars, je suis pauvre et j'ai pas trop les moyens de m'acheter des skins, etc. Du coup, bah j'ai un objectif de transformer mon compte à 0€ en compte à 1000€. Y en a plein, ils se moquent de moi parce que je suis un Bambi et j'aimerais bien avoir un skin rare, moi, t'as vu? Oh, mais un skin rare Renegade Rider! Oui, exactement. Si tu me bats dans un V1, je t'offre 5 skins. Vas-y, bah Warren, je suis trop chaud, c'est parti. Ok, vas-y. Tu stresses un peu, la Warren? Non, pas trop. En vrai, oui, quand même. D'accord. En vrai, c'est sûr que j'étais classé parce que t'as un skin Bambi. Mais t'es sérieux, Warren? On est parti, Warren, maintenant, en 3 manches. 1, 2, 3. C'est parti, mon gars. Je vais te dépouiller tes V-Bucks, mon pote, hein. 1-0. Hey, Warren, plus que 2 points et tu dois m'offrir 5 skins. C'est reparti. Oh, mon fais peur. Hop là, 2-0 mon pote. Une dernière. Oui, t'inquiète, une dernière. Mais t'avais dit quoi, Warren, avant? Que t'allais me battre parce que j'avais un skin Bambi. Mais là, mon gars, t'es en train de te faire défoncer, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Si tu veux voir, je te donne 5 skins. Ouais, je sais, mon gars, il me manque plus qu'une manche. Et après, tu dois m'offrir 5 skins. Allez, c'est parti pour la dernière manche. Let's go. Ah là là, Warren, tu stresses un peu là ou quoi? Ouais. Hop là, touché. Oh non, c'est moi, hop là! J'ai à toi, t'étais meilleur. Merci Warren, allez mon gars, retourne au lobby. Bon mon petit Warren, sans être méchant, je t'ai explosé 3-0. Du coup, oublie pas, tu me dois 5 skins. T'as raison. Mais comme on vient de s'ajouter en ami, faut encore attendre un jour. Et dans un jour, t'as intérêt à me donner les 5 skins. Vas-y mon pote, je te promets. Allez, à demain Warren. À demain. Est-ce que les potes, quelqu'un pourrait m'offrir un skin s'il vous plaît? Mec, écoute-moi, j'ai 7500 V-Bucks. Qui a dit ça là? PS. C'est vrai mec Ryan, t'as vraiment 7500 V-Bucks? Mais attends que je t'ajoute un ami pendant 2 jours et si tu veux là, je t'offre un skin. D'accord mon gars, ajoute mon ami maintenant s'il te plaît. Je t'ai ajouté. Ryan, je t'accepte maintenant et dans 2 jours, je reviens vers toi et t'as intérêt à m'offrir plein de skins. Ok. Et y'a personne d'autre les gars pour m'offrir un cadeau là? C'est moi, j'ai un 2F, mon père il est riche en gros parce qu'il m'a offert plein de V-Bucks et tout. J'en ai 30 000 donc si tu veux. Lulu? Oui? Je peux t'ajouter un ami du coup? Bah ouais, vas-y. Vas-y c'est parti, je t'ai accepté Lulu. Ok vas-y, je quitte. Je t'invite. Vas-y Lulu. Allô Lulu? Oui. Ça va mon pote? Ouais. T'as dit que t'allais m'offrir des skins maintenant, du coup bah j'attends. Oui mais avant que je t'offre des skins, j'ai un gros défi à te proposer. Dis-moi Lulu, je t'écoute. C'est quoi le défi? Alors si on fait au moins plus de top 10 ou top 10 piles, je t'offre un skin plus une danse. Mais si on fait le top 1, je t'offre 3 skins plus 2 danses. C'est vrai Lulu? Oui, parce que mon père il est riche. Là je suis dans une maison de luxe. Je suis dans un hôtel de luxe. C'est trop bien. Mais mec t'es trop riche. Allez c'est parti pour le défi. Allez mets prêt. C'est parti mon pote, je me mets prêt. Vas-y c'est parti mon gars, on va à Corny Crops. Ok. Et t'as intérêt à tryhard hein, parce que je veux vraiment avoir tous mes skins et toutes mes danses. T'inquiète, je vais tryhard. Parfait mon pote. Oh y'a des mecs. Ouais y'a des mecs. Mort. Y'a des mecs sur moi mon gars. Mort. Mais t'es trop fort en fait. Mort. Oh mort. Bien joué mon gars, t'es trop fort. Y'a un mec sur moi. Hop là, mort. Oh non, je suis mort. Mort! On a failli mourir mais on n'est pas mort. Je vais te réajuster ici en fait. Y'a la tempête. Oh t'inquiète, c'est pas grave. Oh merde. Oh merde. Y'a une voiture. Oh, ils m'ont pas vu. Tiens, tiens, non. Je suis mort. Attends, mec. Non, je suis mort. Tu l'es, tu l'es. Allez. Non. Oh non, je suis mort par la tempête. Bon bah mon pote, j'ai un peu le seum hein. On a fait top 15 au lieu de top 10. T'as failli faire le top 10 quand même. Ouais mais mon gars, t'as vu, je suis mort parce que c'est à cause de toi. J'ai voulu te réa parce que t'étais mort. Du coup y'a pas moyen, tu me laisses une deuxième chance. Non désolé mec, t'as raté mon défi. Sinon un autre jour peut-être. T'es sérieux Lulu? Peut-être un autre jour. Mais si tu me chantes Weshden, je t'offre un skin demain. Quoi? Du coup si là je chante une musique de Weshden, tu m'offres un skin demain? Oui. Alors comme ça tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. T'as changé de parfum de numéro comme si par les keufs t'étais recherché. C'est bon ou pas mon pote? Très bien, demain c'est ton fin skin. Merci Lulu. De rien, salut. Salut. 2 hours later. Les potes, après avoir demandé à tout le monde, je n'ai reçu aucun cadeau. Ils m'ont tous arnaqué. J'ai réalisé tous les défis et ils m'avaient tous promis des cadeaux. Mais j'ai rien eu. Et pour résumer, on a juste eu un cadeau à 2€. Du coup, mon compte à 0€ n'a pas atteint 1000€, il a atteint 2€. Salut frérot, est-ce que tu pourrais m'offrir des cadeaux? C'est pour une vidéo. Je vois que tu viens juste de rejoindre mon groupe pour gratter des V-Bucks là. Non, pas du tout, mon pote, je suis pas un gratteur, c'est juste super important. T'es sûr là, c'est vraiment urgent? Oui, je te le promets. Ok, bah je vais te faire confiance, tu veux quoi comme cadeau? Ce que tu veux, je m'en fous. Ok. Let's go, je viens de recevoir le premier cadeau de la vidéo. Qui est. Le skin freezer de Dragon Ball Z. Oh, c'est magnifique, j'espère qu'il
m'a offert un deuxième cadeau. Et oui, c'est incroyable. Oh, et là, c'est la pioche de The Weeknd. Et comme on dit, jamais 203. Non. Ah bah, malheureusement, pour une fois, c'est pas le cas. Mais on s'en fout, car maintenant, on doit avoir encore plus de cadeaux. Je suis plus gosse, si tu remportes mon défi, je t'offre un énorme cadeau. Ok, je suis chaud, mais c'est quoi le défi? Tu vas devoir me battre à Shifumi. Ça marche. Juste avant, je dois regarder dans mes émotes si je l'ai. Ok, c'est bon, je l'ai, elle est juste là. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go! Let's go! J'ai fait le ciseau, et toi t'as fait quoi? J'ai fait la feuille. Et ouais, c'est exact, du coup j'espère que tu vas m'offrir ton énorme cadeau. Ouais, je vais te l'offrir, et c'est un skin à 1000 euros. Oh là là, j'ai trop hâte, c'est incroyable. Ok, c'est bon, il m'a pas menti, il m'a offert mon cadeau. Mais c'est pas un skin à 1000 euros, il coûte seulement 8 euros. Allez, j'espère au moins qu'il m'a offert un deuxième cadeau. Et ouais, super! C'est le skin Typhon qui coûte beaucoup plus cher que l'autre. Supugo, c'est mort, je t'offrirai jamais de cadeau, à part si tu me bats maintenant en box fight. Ok, ok, je te préviens, là je suis beaucoup trop chaud et je vais éclaté. Et comme tu le vois, là on est dans une map box fight super héros. Donc mon pouvoir c'est d'avoir des boogie bombs. Moi mon super pouvoir c'est d'avoir beaucoup plus de shield. Donc Supugo, tu pourras jamais me tuer. Si si, t'inquiète pas, je suis un joueur pro. Ok, touché. Arrête de te cacher Supugo, t'es où? Allez hop là, le pouvoir de la boogie, on vient de le faire danser. Il a beaucoup trop de shield et let's go, on l'a tué. Mais non Supugo, j'ai bugué, tu veux pas recommencer? Non non Zerose, là je te préviens, tu vas pas m'arnaquer. Tu vas m'offrir maintenant mes cadeaux. Bon, d'accord. Yes, pour une fois Zerose m'a pas arnaqué. Et il m'a offert le cinquième cadeau de mon défi, qui est la Renegade Trader pain d'épices. Il m'a aussi offert un deuxième cadeau qui est un magnifique sac à dos. Et me dites pas qu'il m'a offert un troisième cadeau. Eh bah si, c'est la pioche bâton à vibration. Je l'avais jamais vue de ma vie. Je vous avoue, là je suis super content, car on avance beaucoup trop bien dans mon défi. Supugo, le premier qui tombe tout en bas devra offrir toute la boutique à l'autre. Ok ok, je suis beaucoup trop chaud. Et ça commence quand? Maintenant. Oh là là, le tricheur, il vient de me faire tomber d'un étage et lui il est toujours au-dessus, mais vous inquiétez pas, il va vite me rejoindre. Allez hop là, ouh presque. T'arriveras jamais à me faire tomber. Si si, regarde ça, hop là. Ouh, t'as trop de chance toi en vrai hein. Allez, cette fois c'est la bonne. Oh là là, les gars ils sautent tellement, c'est impossible de le toucher. Supugo va devenir pauvre. Non non, c'est moi qui vais gagner ce défi, c'est pas fini. Allez tombe, tombe j'ai dit. Non mais c'est pas possible. Let's go les gars, il m'a rejoint. Et je l'ai refait tomber. Oh là là, l'enchaînement il est incroyable. Maintenant c'est à toi d'essayer de me faire tomber. Et t'arriveras jamais. Allez, je peux le faire. Alors on galère? Un petit peu. Ouh, t'étais pas loin là hein. T'as trop de chance. Oh là 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 là, je suis trop chaud. J'ai fait exprès les gars de tomber pour le refaire tomber tout en bas. Du coup là mon pote, on est d'accord, tu vas m'offrir toute la boutique maintenant? Oui, gros GG à toi. Let's go. Super, je viens de recevoir le premier cadeau de mon abonné qui doit m'offrir toute la boutique. Et on commence avec le magnifique skin mécano. En deuxième cadeau on a la danse fusion. Pour le troisième, la danse pas croisée. Oh, ensuite la hache bestiale de Gohan, elle est beaucoup trop stylée. Non quoi, on a reçu un cinquième cadeau. En fait il m'a pas menti, il m'offre vraiment toute la boutique. Malheureusement il ne m'a pas offert de sixième cadeau, car on peut seulement offrir 5 cadeaux par jour. Je sais que tu veux des cadeaux gratuits, mais tu n'en auras aucun, à part si tu me bats sur ce qui est ce géant. Ok ok super frérot, j'ai besoin d'un maximum de cadeaux. Du coup si je remporte et gagne ce qui est ce géant, combien m'en offrirais-tu? Je t'offrirai 4 cadeaux. Ok ok super. Là comme vous le voyez, Na doit deviner le skin qu'on voit devant nous. Et toi Supugo, tu dois deviner le skin qui est juste devant moi. D'accord super. Super, bah je vais commencer, comme c'est à moi de jouer, par ma première question. Est-ce que ton skin est une fille? Non frérot, c'est un homme. Ok super, alors je commence par tuer Leatherfruit, Ariana Grande, Chica, et on finit par Chloé Kim. Ok frérot, c'est à mon tour et j'ai une question très simple. Est-ce que ton skin a des lunettes? Non, malheureusement, il n'a pas du tout de lunettes. Ok, allez toi, je t'élimine, toi aussi. Ça j'élimine, ça j'élimine. Ah, il y en a énormément qui ont des lunettes frérot. Oh là là, c'est la merde. J'ai l'impression que Na a plus de chances de gagner ce qui est-ce que moi. Je pense que j'ai fini frérot, à ton tour. Alors pour ma deuxième question, est-ce que ton skin a un chapeau sur la tête? Oui frérot, il a un chapeau sur la tête. Oh let's go, j'ai posé une super question et je vais éliminer un maximum de skins. Je commence par Greg, Travis Scott, Flake, Balvin, Neymar, LeBron James, Ninja, Lachlan, Bruno Mars, Slim le Chauve, Laserbeam, Patley, Cypher PK, Lewis. Et je pense que c'est fini, donc c'est à ton tour. Frérot, t'as éliminé
tellement de skins. Eh, je pense que c'est mort pour moi, mais je vais quand même te poser une question. Est-ce que ton skin est un garçon? Je t'avoue que j'hésite un peu, mais je vais te dire oui. Ça, Ariana Grande, ça dégage. Loser Fritz, ça dégage. Toi aussi. Et... attends, quoi? C'est quoi cette question? J'ai éliminé quasiment personne. Ah là là, tu t'es fait avoir. Ona, qu'est-ce que tu fais là? Je rêve d'envie de voir mon skin. Oh, le tricheur. Vous savez quoi? Moi, maintenant, je vais voir son skin. Eh non, les gars, on peut pas tricher son qui est. Ça cache le skin. Eh ouais, frérot, tu croyais quoi? T'allais avoir des cadeaux gratuits? Non, frérot, va falloir que tu devines mon skin. Ok, pas de soucis, ma prochaine question. Est-ce que ton skin a des lunettes? Oui, frérot, mon skin a des lunettes. Ok, super, ça marche. Marshmello, ça dégage. Alpha, pareil. Booga aussi. Monsieur Beast aussi. Et il me reste seulement deux skins. Frérot, comment ça? Il te reste que deux skins et moi, j'en ai encore 13. J'avoue, t'as raison, j'avais même pas remarqué. On dirait que Naa, il a éliminé aucun de ses skins. Il est vraiment loin d'avoir gagné. Frérot, t'inquiète pas, je vais faire une remontada. Écoute bien ma question. Est-ce que ton skin est un chanteur? Oui, et c'est même un chanteur très 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 connu. Ok, let's go. Là, je vais éliminer énormément de monde. Allez, Ninja, ça dégage. Cypher PK, Mr Beast, Lazar Beam, Buga aussi, Neymar, The Greff G. Et puis c'est bon, je crois qu'il m'en reste plus que 4. Oh là là, c'est beaucoup trop serré. Ok, frérot, du coup, à ton tour. Lana, ça rigole plus du tout. Je pense que je vais te poser la dernière question de ce qui est géant. Ok, frérot, je t'écoute. Est-ce que ton skin est de couleur noire? Non, frérot. Ok, alors j'élimine Major Lazer. Et normalement, du coup, si je me suis pas trompé, ton skin, c'est Kid Laroi. Let's go. Bien joué, frérot. T'as trouvé, c'était bien Kid Laroi. Let's go. Offre-moi maintenant, Naa, mes 4 cadeaux. Pas de soucis, je fais ça tout de suite. Ah, oh, super. Je viens de recevoir mon premier cadeau, Naa. Et c'est, les gars, un skin totalement dégueulasse. Ok, maintenant, j'ouvre mon deuxième cadeau. Ok, je pense que c'est la pioche du skin que je viens de recevoir juste avant. J'espère qu'il m'a pas menti et qu'il m'a offert mon troisième cadeau. Oui, nickel. C'est le sac à dos des guitaristes. Je vous avoue qu'il est aussi super dégueulasse. Et let's go, j'ai reçu mon quatrième et dernier cadeau de Naa. Et non, c'est pas possible, c'est le boss. Il m'a pas offert, les mecs, un skin mais un pack. Je vous avoue, là, je suis beaucoup trop content. Et on est bientôt à la moitié de mon objectif de mon défi. Salut, est-ce que tu pourrais m'offrir autant de cadeaux que possible? C'est super important, mon pote. Bah, tu sais quoi, je vais directement dire oui, car aujourd'hui, je suis l'homme le plus riche de tout Fortnite. Comment ça, frérot? J'ai actuellement sur mon compte plus de 40 000 V-Bucks. Oh là là, mais quel menteur! Je te jure que c'est la vérité. T'es certain? Oui. Ok, alors offre-moi maintenant 5 cadeaux. Non, ce serait trop facile, je vais te lancer un défi. Ok, super, du coup, tu veux me défier et après tu m'offres plein de cadeaux. Ouais, c'est ça, mais je t'offrirai pas 5, mais 100 cadeaux. J'aurais bien dit oui, mais malheureusement, on peut seulement offrir 5 cadeaux par jour maximum sur Fortnite. Ok, ok, bah mon défi, c'est que tu remportes une manche en Tilted Zone Noir. D'accord, ça marche. Super, je viens d'arriver sur la map et je te préviens directement, je vais tous les éclater dès la première partie. D'accord, c'est ce qu'on verra. Il y en a déjà un sur moi, il m'a mis une grosse balle, c'est la merde. Ok, moi aussi je suis en train de rusher quelqu'un. Ok, mort. Ok, premier kill aussi pour moi. Il y a un nouveau mec sur moi, attention. Aïe, il m'a fait trop mal. Ok, il y en a un autre sur moi, moins 100... Putain, je suis tombé dessus. Il est dans ma box, mort. Oh là 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 là, c'est Edith. Putain, j'ai trop le seum d'être mort. C'est pas grave, tant que moi je suis pas mort, je peux encore gagner mes cadeaux. Ok, touché 33. Crac. Mort. Troisième kill du coup. T'es vraiment chaud. Ah frérot, je ferai tout pour gagner plein de cadeaux. Touché 46. Ok, je me remets vite fait un petit poisson. Mort. Je suis actuellement en 1v1 contre le mec qui est juste au-dessus de moi. Et moi les gars, je ferai tout pour les cadeaux, je le fais tomber. Il est pas mort. Ok, je pense que je les conne. Crac. T'es à un kill de tes cadeaux. Eh ouais, c'est la vérité. Ok, encore crac. Oh là là, ce level, let's go! Première partie top 1, je les ai tous défoncés! Ah, GG frérot, je t'envoie maintenant tes 5 cadeaux. Ok, c'est bon, je viens de recevoir le premier cadeau de l'homme le plus riche de tout Fortnite. Et c'est incroyable, on commence parfaitement bien avec le pack The Weeknd. Maintenant, j'ouvre mon deuxième cadeau. Oh, sympa, c'est une danse qui s'appelle Chant de Marin. Pour le troisième, j'ai reçu une belle pioche de Noël. Même si Noël s'est passé, mais on s'en fout. Ensuite, j'ai reçu un magnifique skin de Noël. Et là, c'est parti maintenant pour ouvrir mon
mon dernier cadeau. Ok, sympa, un petit planeur. Salut Elias, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais m'offrir des skins gratuits si on fait top 1 lors de cette game? Non, c'est mort. Allez, j'en ai vraiment trop besoin. Ok, si tu veux vraiment des skins gratuits, t'as une seule condition. Il faut que tu pioches quelqu'un avant moi. Ok, ça marche. Par contre, fais gaffe, si je pioche quelqu'un avant toi, t'auras rien. T'inquiète pas pour moi, je suis le roi des piocheurs. Y'a un gars là-bas. Ok, j'arrive, on va l'éclater. Ils sont deux, fais gaffe à toi. Touché 21. Ok, il a plus beaucoup de vie. Box. Allez, je peux le pioche. Let's go, Elias. Premier kill, premier coup de pioche. Non, pourquoi? C'est pas possible. Ah, je suis désolé, c'est le talent. Je suis beaucoup trop fort en ce moment sur Fortnite. Du coup, là, il faut vraiment que je t'offre des skins gratuits. Eh ouais, tu m'as défié et j'ai remporté le défi. Ok, c'est parti, on va retourner au lobby. Let's go, je viens de recevoir mon premier skin. Ok, super, je pense que j'ai aussi reçu le deuxième, qui est du coup le skin agrippeuse. Oh, elle est trop cool, j'ai même reçu une danse que je voulais trop. Super go, si tu me bats en compétition de mathématiques, je t'offre plein de cadeaux. Ok, ça marche, Théo. Du coup, là, regardez, c'est marqué à l'écran 10-9. Du coup, on doit aller sur la case 1 et regardez ce tricheur, il m'a copié. Théo, on a interdiction d'aller sur la même case. Ok, désolé. Ok, le prochain calcul, c'est 2 plus 7, ça fait 9. 9 moins 2 égale 7. Ouais, c'est exact. Par contre, on est encore sur la même case. Ouais, et c'est moi qui va gagner. Non, c'est moi, et tu vas m'offrir plein de cadeaux. Ok, 9 plus 1 égale 10, du coup, je suis sur cette case. Moi aussi, sup. Oh, je pense que Théo est vraiment très très fort en maths pour son âge. Mais il me battra jamais, la vérité. Si, je te battrai. C'est impossible. Sache qu'à l'école, j'avais que des mauvaises notes à part en maths. Allez, 8 moins 1 égale 7. 2 plus 4 égale 6. Et je suis sur un 6. Les gars, regardez, je vais troll Théo. 0 plus 2 égale 3. Va sur un 3, Théo, dépêche-toi. C'est bon, Sup Hugo. Yes, je l'ai troll. Il m'a écouté comme un débile. T'es sérieux, Sup? Tu fais ça à l'enfant plus mignon de Fortnite? C'est parce que tu veux gagner le cadeau? C'est exact. Je ferai tout pour avoir plein de cadeaux et ma technique a marché à 100%. Je déteste, tu vas me ruiner. Je suis désolé, mon petit Théo. Allez, va acheter plein de V-Bucks et offre-moi plein de cadeaux. Ok. Tricheur. Bonne nouvelle, Théo m'a pas arnaqué. Il m'a offert comme premier cadeau une voiture de course. Oh là là là, dinguerie, on peut la personnaliser comme on veut. Ok, j'ai reçu un deuxième cadeau de sa part. Cette fois-ci, c'est pas une voiture mais une pioche. Et j'ai même reçu en troisième cadeau l'émote Relax Max. Ça, c'est Souche, le youtubeur le plus fort de tout Fortnite. Et aujourd'hui, je vais l'affronter. Et si j'arrive à le tuer, il m'offrira 5 cadeaux. Je te préviens, Sup Hugo, t'as seulement 3 chances. Ok, ça marche. C'est parti alors pour le premier 1v1. Bonne chance à toi. Bonne chance. Ok, j'ai presque la hauteur. Il l'a récupéré. Oh là 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 là, moins 120. Oh là là, j'ai mangé une méga patate. Je prends une balle et j'ai déjà perdu mon premier 1v1 là. Mais bon, j'ai mis le code SUPRO pour être joueur pro. Du coup, c'est pas encore fini. Non, il est trop chaud. Bah alors, Sup Hugo, on se fait éclater? Ah, t'inquiète pas, c'était seulement ma première chance. Il m'en reste encore deux. Allez, c'est reparti. Boxer. Non, j'ai raté ma balle. Ouf, t'as eu chaud là, hein? Ouais, j'avoue que j'ai eu un peu chaud. Dégage! Oh là là, le moins 200 dans ta tête! Je peux rien faire, il a un shoot de fou furieux! C'est déjà 2-0, je l'ai même pas touché encore une fois. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il me reste plus qu'une chance pour avoir mes 5 cadeaux de sa part! Allez, c'est parti pour la dernière chance! Allez, je me remotive, j'active mon vrai level de joueur pro et je l'éclate. Ok, j'ai la hauteur, ça commence bien! Il m'a touché, du coup, ça commence un peu moins bien. Putain, je t'ai mis que moins 36 avec une grosse balle comme ça, hein! J'avoue que pour une fois, t'as pas eu un shoot de ouf. Aïe! Touché, let's go! La première balle pour Sup Hugo! Alors mon petit Souche, pour le dernier round, on n'arrive pas à reprendre la hauteur? C'est vrai que tu la gardes bien ta hauteur là. Hein. Ah frérot, j'ai pas le droit à l'erreur! Ok, touché, pourquoi je lui mets que des petites balles? Non! On a atteint la hauteur max! Bon bah c'est reparti! Eh ouais, on n'a pas le choix, on refait un nouveau BF. Sauf que malheureusement, j'ai pas récupéré ma vie. Oh là 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 là, la patate! Let's go, j'ai tué Souche! Sup Hugo, je suis choqué, tu m'as fait une énorme décale, j'ai rien vu venir, frère. J'avoue, même moi, j'étais pas prêt à la décale que je t'ai fait. Et du coup, là, mon petit Souche, on est d'accord? Tu vas m'offrir maintenant 5 cadeaux? Bah, j'ai perdu, je suis bien obligé, hein. Bah ouais, et je t'avoue, c'est dommage pour toi, car t'étais à ça de me mettre 3-0 et d'économiser plein de V-Bucks. Après, je t'avoue, ça aurait été un peu dur de te mettre 3-0 vu que t'as mis le code SUPRO pour être joueur pro. J'avoue, gros merci au code SUPRO qui m'a permis de tuer le meilleur
meilleur youtubeur de tout Fortnite. Bref, assez parlé, va dans la boutique et offre-moi 5 cadeaux. À vos ordres, chef. Alors, qu'est-ce que Souche m'a envoyé comme cadeau? Ok, il m'a offert pour commencer des pioches bonbons. Ensuite, la superbe danse articulée. Pour le troisième cadeau, les mots salto en arrière. Le quatrième, le skin Nocturna avec son petit skin en Lego. Et on finit avec un petit planeur rouge et blanc. C'est qui, je suis pauvre? Bah, c'est moi. Pourquoi t'es niveau 1? Bah, parce que je t'explique, mec et les autres. En fait, les gars, on m'a hack mon compte. Et maintenant, bah, je suis devenu pauvre et j'ai plus que ce compte et ce skin. Est-ce que tu veux que je t'aide à récupérer tes skins? Bah, mec, c'est mon rêve, mais j'y arrive pas, j'ai déjà essayé. Rejoins mon groupe et je vais t'expliquer. Vas-y, mon pote, je te rejoins directement. Allô, je suis pauvre. Oui, crapouillot. Je vais t'expliquer pour récupérer tous tes skins. Vas-y, bah, dis-moi. Enfin, on va en boss fight. Et si tu me bats, je t'offre toute la boutique. C'est vrai? Oui. Vas-y, bah, mec, c'est parti. Et en fait, si tu m'offres toute la boutique, j'aurai encore plus de skins que avant quand j'avais mon vrai compte. Ça m'arrange vraiment. Allez, let's go. On est parti pour le premier 1v1 en box fight. Je pense que ça va être facile à tuer parce que t'es niveau 1. Essaye déjà de me tuer maintenant. Aïe. GG. Mais mec, t'es trop fort. C'est le talent. Non, 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 non. Bien joué, mon pote. 1-1. Je te tue encore deux fois et tu m'offres toute la boutique de Noël. Tu vas me dépouiller mes V-Bucks. Bah ça, mon pote, on sait pas. Hein. Je dois encore tuer deux fois et oui, après, je vais te dépouiller tes V-Bucks. Mais si tu me bats, mon gars, tu vas rester riche. Et je vais rester pauvre. Bruh. Quoi? T'as tiré à travers l'escalier? Non, non. J'ai pas envie de rester pauvre. Du coup, là, je vais beaucoup tryhard. Hein. Hop là! 2-2. Si je te bats encore une fois, tu m'offres toute la boutique de Noël. T'as un HP. Il est caché là, on le voit là. 58. Mort! Bon bah mon pote, c'était très très serré, mais je t'ai battu 3-2. Ouais bah bien joué. Merci, merci. Mais maintenant, j'attends que tu m'offres toute la boutique de Noël. Pas de soucis, je vais chercher ma mère. D'accord, d'accord. À dans 5 minutes mon pote. Pendant que le petit est parti chercher sa mère, on va demander plein de cadeaux en attendant. Et bien sûr, à la fin, on va ouvrir tous les cadeaux qu'on aura récoltés. Je suis pauvre là. T'es pauvre? Ah ouais. Eh, tellement il fait pitié. Eh, venez, on lui offre un skin. Quoi? Les gars, offrez-moi un cadeau s'il vous plaît. Je suis pauvre, j'ai pas de V-Bucks, c'est bientôt Noël. Juste parce qu'il est drôle, je le laisse purer. Il est trop drôle. Les gars, vous êtes chaud à défi? Je vous invite 3. Ouais. Si je vous bats, vous m'offrez un skin chacun, ok? On va t'exploser. Du coup, les mecs, vous acceptez le défi? Ouais, on accepte. Vas-y, les mecs, mettez-vous prêts. Les gars, je viens de mettre la map réalistique. C'est parti, venez dedans. Bonne chance. Eh, je vais vous exploser en vrai avec mon skin Bambi. Vous allez être choqués. Hein. Kinato va dans le deuxième. En bas là. Avec tes potes, voilà les gars. 1v3, eh, je vais vous chitonne. Ah, t'es trop nul avec ton skin Bambi, là. 1v3, vous allez passer sous le bureau là. En bas là. Je vais start, c'est parti pour le 1v3. Allez, c'est parti les mecs pour la première manche. Le premier en 3 manches gagnantes. Je vais vous exploser. Ah ouais, les gars, votre pote il a raison. Ferme ta gueule, toi. De une, t'es nul. Mais non, ils sont en train de s'embrouiller entre potes. Ils sont fous. What the fuck. Oh, touché, 34. Oh, crack. Ouais. Mort. Adam, il est trop fort. 1-0, vous gagnez encore deux fois et vous allez rester riche. TS, voilà, TS. Ouais, j'en sniper. Bah ouais, logique. C'est la deuxième manche. Là, les gars, c'est moi, je vous chitonne. Hein. Je vais t'exploser, mon gars. Ok, on verra. Peut-être que je suis pauvre, les gars, mais au moins, je suis meilleur que vous à Fortnite. Non. Akinato, yes. À 2-0, hein. Je suis pauvre, ça fait quoi de perdre? Mon pote, y'a pas de souci. Je vais faire comme le petit d'avant. Je vais faire une grosse remontada. Non. Un de mort déjà. Hop là. Bien joué, je suis pauvre. Oh, que putain, la tête de wall. Hop là, un deuxième de mort. Allez, le dernier, putain. Il est où là? Akinato, vas-y, nique-le, oula. Oh putain, ça rage. Aïe, tu le tues pas, je comprends plus rien. Mais tu fais quoi? Hop là! Oh la chitane, les gars, dehors! Allez, remontada! Allez, c'est parti pour la quatrième manche! Ah, les gars, ils ont voulu me tuer de chute! J'ai un HP, ils sont fous! Eh, si tu meurs, Adam, vu le chitane! Un tué, je suis encore en 1v2! Allez, les gars, je vous attends là! Ouais, j'attends, je suis cool, hein! Je rate ma poil là, t'es mort! Arrête de rager! Ta gueule, toi! Hop là! Ta gueule, ferme ta mère, toi! Je suis un homme en colère! Vas-y, je t'offre 10€ si tu exploses. Mais non, il veut passer 10€ à son pote Simba. Il a trop peur qu'il m'entende. Mais t'as vu comme il est fort. Hop là. Hop là, encore touché. Ah, vous dormez un peu, les gars, là. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, quoi. Ah, je crois qu'il a pas mis son vrai niveau tout à l'heure quand on l'avait fait, quand on lui avait mis 2€. Dégage. Hop là. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible.
2-2. Allez les gars, je gagne encore une fois, vous m'offrez chacun un skin. Eh, sauf toute la boutique si tu gagnes. Moi aussi. Quoi? Du coup là les gars, si je vous bats, j'ai 2 boutiques. Du coup les gars, j'ai 3 boutiques offertes. Non, Kinato non, il est pauvre. Ah, Kinato c'est un rat quoi, c'est un big rat. Ouais, voilà, c'est un rat. Allez Adam. Non, 24. Bruh. Ouais, ouais, ouais. Oh, 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 yes. Bon les mecs, j'ai failli vous 1v3 mais malheureusement vous avez gagné 3-2. J'ai failli faire une remontada, c'était très serré. Mais les gars, je suis pauvre depuis pas mal longtemps, c'est bientôt Noël. Est-ce que Soso et Adam, je pourrais quand même avoir un petit cadeau s'il vous plaît? Si tu veux, je t'offre la moitié de la boutique. Et moi je t'offre aussi la moitié, comme ça, ça te fait toute la boutique. Pas de soucis, du coup on fait comment? Parce que toute la boutique ça coûte quand même assez cher. On va t'offrir la boutique ce soir, car c'est trop cher, on doit appeler notre banque. D'accord, d'accord, bah à ce soir les potes. À ce soir. Les mecs, on est au soir. Tous les gens qui m'ont promis des boutiques de Noël, des boutiques Fortnite m'ont arnaqué. Mais il nous reste une dernière chance. Là il y a Zeroz, le joueur pro de la dernière vidéo en live sur YouTube. Et regardez ses V-Bucks. Il a 28 000 V-Bucks, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est lui qui va me faire devenir riche. Et là bien évidemment on est avec le compte Père Noël, avec une photo de Père Noël. Et on va lui proposer un défi. Salut Zeroz, oui c'est moi Père Noël. Je me suis fait hack mon compte, je te défie, si on fait top 1, tu m'offres un skin. Ajoute, je suis pauvre. Le Père Noël, le stream hacker éclaté là. Sans comment tu bambilles. Salut Zeroz. Ouais, c'est moi le Père Noël, je me suis fait hack mon compte, je te défie, si on fait top 1, tu m'offres un skin. Je suis pauvre. Vas-y les gars, on va faire ce petit défi tranquillou là. Les potes, Zeroz voilà, il est en train de m'ajouter. Zeroz YouTube, accepté, et on demande à rejoindre. Ouais, je suis pauvre. Allo Zeroz. C'est quoi le défi mon petit pote? Je t'explique, tu vois mon compte Père Noël avec lequel je t'ai stream hack. Ouais. Bah malheureusement on me l'a hack et là du coup bah voilà je suis niveau 6. J'ai fait des défis de plein de mecs, ils m'ont promis des boutiques, ils m'ont rien offert. C'est ma dernière chance et si on fait top 1 en section là maintenant, bah tu dois m'offrir un skin. Oh oui bébé. Gros tu sais que ça va être simple hein. Tu sais que j'ai un niveau incroyable, phénoménal mon ref. Mais Zeroz, tu fais assez le malin, mais rappelle-toi la dernière fois en créatif, je t'ai battu 3-0 quand même. Ah. Allez, c'est parti. Zeroz, j'ai remarqué que tu faisais encore pas mal ton malin. Je te lance un deuxième défi. Si j'arrive à te carry et à faire plus de kills que toi, tu dois pas m'offrir un, mais 2 skins de la boutique. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, bah c'est parti et on va aller au point bleu. Allez, 2 kills. 2 kills. Bah, t'active la deuxième, mon petit pote, hein. Hop là, premier kill, t'inquiète, je te rattrape. Et le Père Noël? Ouais. Si jamais t'arrives pas à faire plus de kills que moi, je t'offrirai quand même le deuxième skin, tu vois. C'est la période de Noël, c'est le cadeau du Noël. Ouais, c'est le partage Noël, hein. Et du coup, mec, si j'arrive à te carry, tu m'offririras 3 skins. Vas-y, je suis joueur. Vas-y, go, je suis joueur, moi. Oh là là, il est fou, je vais le dépouiller. En fait, j'ai réalisé Zeroz avec toi. Le défi le plus dur, c'est de pas faire top 1 tellement que t'es fort. Bah oui. Si on fait pas top 1, tu m'offres combien de skin? 3, allez, je suis joueur. Mais t'es malade, du coup si on fait pas top 1, tu m'offres autant de skins que si on fait top 1 et que je fais plus de kills que toi. Ah mais du coup si on fait top 1, je t'en offre 4 alors. 4 skins. 4 skins si on fait top 1. Et si je te carry plus le top 1, combien de skins? 5 skins. Oh là là, il est malade, il n'aura plus du tout de V-Bucks. Il aura pas 28 000 V-Bucks, mais 28 V-Bucks. Mort. Oh là là, Zeroz, il me carie encore. Mort, mort. Oui, on a compris, c'est bon. Oh oui, c'est moi qui ai eu l'autre kill. Mais c'est quoi cette chance? Il m'a volé tous les kills, Zeroz. Oh, ouais, bah, ouais. Oh, ouais. Charge. Zeroz, en vrai, comme t'es mort avant moi, je pense que tu me dois encore un skin de plus, hein. Va falloir que je ralasse le Père Noël, non. Non, j'ai brûlé. Bon bah, Zeroz, comme on n'a pas fait top 1, tu me dois 4 skins. C'est moi qui vais devenir pauvre. Allez, c'est parti, offre-moi mes cadeaux. Go se faire dépouiller, merci beaucoup le Père Noël. Moi, je suis chaud déjà pour commencer par Spider-Man. Faire cadeau, acheter le cadeau, envoie du cadeau. On va passer tout simplement sur ce skin, Reina. Allez, c'est parti, faire cadeau. Et c'est part pour le prochain cadeau. Franchement, j'ai envie quand même de lui envoyer un petit cadeau troll. Une petite emote déballage. Qu'est-ce que tu en penses, mon ref, hein? Malheureusement, je peux pas lui offrir le quatrième cadeau. Je pense que Fortnite ne veut tout simplement pas que j'offre un quatrième cadeau. Je pense que les gars, on peut offrir par jour 3 cadeaux. Les mecs, Zeroz était notre dernière chance. S'il n'a rien offert, on va rester pauvre à vie et on aura fait tout ça pour rien. Vous avez reçu un cadeau de la part de Zeroz YouTube. Premier cadeau.
ouvrir. Merci infiniment, Zerose, c'est le boss. Oh là là, deuxième cadeau. Zerose, le boss des boss. Oh là là, Reina, je l'adore en plus, ce skin. Troisième cadeau de Zerose, ah, il nous régale. Les mecs, Zerose nous a offert en troisième cadeau ce cadeau. On est parti sur le live du premier streamer. Il s'appelle Twanlag, il a actuellement un spectateur et c'est moi. Et je vais commencer par lui dire bonjour. Wesh, Toto le Bambi, ça va ou quoi, mon ref? Premier viewer, allez, viens taper la discute, mon ref. Pour commencer, le streamer a l'air grave sympa, grave marrant. J'adore sa voix, elle a l'air trop rigolote. Et comme il veut qu'on tape la discute, on va lui demander comment il va. Comment vas-tu? On est là, en stream, posé, tranquillement. Bon, y'a pas grand monde, hein, y'a personne, je crois, mais ça va, tout va bien. Et toi, ça se passe comment? Tu passes une bonne journée? J'aime bien ton blaze, là, Toto le Bambi, c'est marrant. Les gars, avant qu'on lui réponde, regardez son nombre de points en arène. Il a seulement 305 points. Et on va lui dire, moi, ça va super, et pourquoi as-tu seulement 300 points en arène? Moi, ça va super, et pourquoi as-tu seulement 300 points? 100 points en arène, parce que je joue jamais à Fortnite. Ok, ok, et là maintenant les choses sérieuses commencent. On va lui demander s'il peut m'offrir un skin, car je n'ai pas de skin. Du coup je vais lui dire, est-ce que tu pourrais m'offrir un skin s'il te plaît, car je n'ai pas de skin? Est-ce que tu pourrais m'offrir un skin s'il te plaît, car je n'ai pas de skin? Toto le Bambi, j'offre pas des skins comme ça aux gens que je connais pas. Ça coûte de l'argent un skin, genre en général tu offres ça à tes amis, à tes trucs, mais aux inconnus, non. Bon bah les potes, je me suis fait clairement recaler. On va essayer le plan B, on va demander si on peut jouer avec lui pour essayer de sympathiser, d'être tout gentil. Et peut-être que si j'arrive à devenir son ami, il m'offrira un skin. Je vais lui dire, après ta game, pourrait-on jouer ensemble à Fortnite, s'il te plaît? Après ta game, pourrait-on jouer ensemble à Fortnite, s'il te plaît? Pas de soucis, mon ref. En vrai, j'ai pas trop de gens à qui jouer, donc no problemo, Toto le Bambi. Mais du coup, t'es un Bambi, tu vas être trop nul, en vrai. Oh là là, c'est un fou. En tout cas, mon plan B, il commence à marcher. On va l'ajouter, mais d'abord, on va regarder si ce streamer fait top 1. 2 seconds later. Oh oh oh. Oh non, je suis vraiment mort comme ça. Mais c'est quoi ce joueur? Vous avez vu comment il est mort? Après, il ose dire que je suis un Bambi. Bref, maintenant les potes, on se retrouve dans le lobby avec lui. Wesh mon gars, bien ou quoi? Bien et toi? Bah tranquille, hein, on est sur Fortnite, tu connais. Le stream te plaît? Mec, vraiment c'est top. C'est pourquoi je suis resté sur ton live, parce que t'as une qualité incroyable et voilà. Et en fait, je m'ennuyais un peu. Du coup, j'ai été voir les streamers Twitch avec pas beaucoup de viewers. Je t'ai vu et j'ai kiffé ton live et du coup, j'ai un peu regardé. Tu veux faire quoi? Bah mon pote, moi je suis chaud, on fait du créatif et on fait de la BHU, t'as eu basique et on fait des petits BF, des petits trucs et voilà, on s'amuse. Allez, go en créatif. Vas-y, c'est parti mec. On peut prendre ce qu'on veut comme arme. Prends un space 12, violet. Une aire bleue et des mini shields. J'ai une aire bleue, un space 12 bien violet. Non. Et des mini shields. Pour commencer, du coup, tu veux qu'on fasse direct un BF ou je sais pas, comme tu veux. Bah, je sais pas, t'es chauffé toi? T'as fait des petits 90 comme ça pour t'échauffer? Oh là là, comment il fait le malin. Bon, je te rappelle, j'étais sur ton live et je t'ai vu, t'étais en top 4 et t'es mort seul de chute. Hein. Vas-y, arrête de discuter, on fait un build fight là. Vas-y, mec, je suis chaud. C'est parti. Allez, go. Mais ça commence à tricher en fait. T'es trop nul, je t'ai mis 3 étages d'avance. Bah c'est normal mec, voyons, tu m'as mis des cônes pour pas que j'ai la hauteur. Et quand on n'a pas la hauteur en build fight, bah on perd. Non c'est faux. Hop là, moins 40 hein, ça fait moins le malin là. Hop là. Je te boxe, tac. Ouais, moi je te pioche. Moi aussi je te pioche. Non! Ah, je t'ai pioché. Au lieu de faire le malin là, je veux voir tes vrais 90 parce que tu fais le mec là fort, allez. T'appelles ça des 90? Attends, je me suis pas encore concentré. Au quartier, on appelle ça un gribouillage. Attends, regarde, regarde. Oh, ça s'est bloqué, waouh. Quand t'es pro, en fait, t'es tellement rapide que tu te bloques. Ah, t'es un jour pro en plus? Ouais, j'ai déjà gagné 200 euros sur une cup. Menteur! Bon, là, t'es en train de faire un peu le malin avec tous tes 90, et regarde-moi comment je l'ai fait. Mais t'es trop nul. Pourquoi tu dis ça? Ils sont symétriques, il y a zéro erreur. Toi, moi, ils sont brouillons. Non, regarde-moi, regarde-moi. T'as vu, tu mets des murs sur les côtés et tout, c'est des 90 brouillons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un malade. C'est quoi ces 90? C'est comme ça qu'on fait chez les pros. Ah, c'est une technique de mettre des escaliers sur les côtés des murs? Ouais. Bon allez mec, reviens, on fait un petit BF là, je vais prendre ma revanche. Bon, je vais t'exploser mon gars. Allez go. Allez, bonne chance mec. Oh! Que de la chance. J'ai un bon shoot, c'est tout. Vas-y, viens, on fait un BF là. Bon mec, j'ai pas le temps pour toi. T'es trop nul. Je te refais juste un BF parce que tu m'as gagné et que c'est que de la chance. Allez, bonne chance et je vais encore t'éclater. Mec, c'est impossible, t'es un gros Bambi. Continue à être toxique, tu verras la vérité quand je vais te battre.
Par contre, j'ai une question, toi, Nelag. Tu sais qu'en vrai, au fond, je t'aime bien et tout, hein. J'ai vu que t'avais 1000 V-Bucks. Et du coup, comme t'es un streamer généreux, tu as fait des cadeaux à tes abonnés, non? Ah oui, je suis un streamer généreux, t'as raison. Non, j'offre pas des cadeaux. Pourquoi? Bah, je sais pas, t'offres pas des petits skins de temps en temps? Non, jamais, pourquoi? Bah, je sais pas, t'as 1000 V-Bucks et tu vas pas les utiliser. Du coup, bah, moi, comme je joue beaucoup à Fortnite, bah, je me verrais bien que tu m'offres un petit skin, t'as vu? Ouais, mais t'as un Bambi. Si t'as un skin, ça ferait que tu deviendrais fort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Là, je vais encore tuer. Ah là tu crois que tu vas gagner le fight hein? Je vais te sortir les techniques secrètes. Oh le shoot que t'as c'est chaud hein. Hop là je m'amure, continue de spammer. Tu vas voir, continue de tirer. Ah tu vois, hop, plus de balles dans ton chargeur, c'est dommage. Hop là t'es mort. Ne jamais vider son chargeur, c'est une règle d'or sur Fortnite. Bon allez c'est bon, moi j'en ai marre, je me casse, t'es vraiment nul, t'es un Bambi. Tu me demandes des skins en plus, alors t'es nul. Allez ciao. Non, quitte pas, attends deux secondes. Je vais te montrer un truc là quand même. Viens où je suis, je t'attends. J'arrive. T'as un peu critiqué mon edit hein. T'as dit que j'étais très lent hein. Bah oui, t'es très très lent. Bah regarde ça mon pote. What alors... the fuck. Mais t'es trop rapide wesh. Et là ça bégaye hein. Ouais t'es lent, tu sais pas jouer, t'es un Bambi. Tu triches, c'est pas toi. Je triche pas, c'est moi qui édite, c'est moi qui joue. Si tu veux je t'envoie ma manette. Bah viens faire un fight, on va voir si c'est toi. Pas de soucis mon pote, c'est parti. Hop là, 41 49. Hop là. Mais t'as tiré à travers mon mur, espèce de tricheur. J'avais mis un mur sur le côté où t'étais. Non. Si. Ta gueule. Je vais arrêter de faire le mec, t'as vu, en mode t'es nul et tout. Moi perso je trouve que t'as un super bon level. C'est vrai? Ouais, en tout cas moi je te l'ai déjà dit aussi, ta caméra j'adore, ton live j'adore. Si tu veux vas-y c'est reparti, on refait un petit BF et voilà. En tout cas mec, je trouve vraiment que t'es un super type. Là les mecs on s'est mute et on va faire que le complimenter. Parce que là dans pas longtemps, j'espère qu'il va m'offrir mon premier skin. Car lui est sûr à 100% que je n'ai quand même pas de skin. Même si maintenant il a vu mon level de joueur pro. C'est parti pour le dernier BF où on va encore l'exploser. Moi je te le dis c'est sincère, je trouve vraiment que t'as un mec cool. Et ton stream il est super cool. Merci mec, toi aussi t'es cool. Oh sympa, merci mon pote. Même si maintenant je vais encore te cheaten une dernière fois. Ça va, je la gagne, hein, je te le dis. Hop là, mon sang. Hop là. Bien joué mec. Non, je suis dégoûté, sérieux. 3-2, je t'ai battu. Bon allez, moi je vais bientôt arrêter mon stream. Je vais bientôt y aller. En tout cas, c'était cool. Avant que t'arrêtes ton stream, toi Nag, on va juste aller au lobby, j'ai un petit truc à te dire, ok? Bah allez, très vite fait, hein, parce que moi je dois arrêter. Vas-y mon ref. Avant que tu partes, je sais pas, est-ce que maintenant en jouant avec moi, on a un peu sympathisé? Tu trouves pas on n'a pas un peu créé des liens d'amitié? Ouais, j'avoue, t'es mon poteau maintenant. Bah c'est carré. Et sans encore faire le gratteur et encore le mec qui est là par intérêt, il y aurait pas moyen juste tu m'offres un petit skin à 800? C'est bien parce que je joue plus beaucoup à Fortnite et qu'il me reste encore pas mal de V-Bucks. Du coup c'est oui? Oui. Je vais t'offrir un skin qui me ressemble, comme ça tu penseras à moi. Vas-y c'est bon, je te l'ai envoyé. Oh, vous avez reçu un cadeau de la part de Twanlag. Ouvrir le cadeau, Agent Colorado. Merci Twanlag pour ce magnifique skin. Et t'as vu mec, mon skin il a une petite queue, c'est un peu marrant. Moi j'ai une grosse queue. Salut Michou, offre-moi un skin si tu fais partie de la team Crouton. Mon Epic Supugo, c'est pour une vidéo. Allez hop, on envoie. Maintenant, c'est parti pour un nouveau Crouton, le vrai Bouzeux. Coucou le Bouzeux, tu pourrais m'offrir un cadeau sur Fortnite au lieu de jouer à Rocket League. Shadow Bass, salut, je te défie en 1v1 BHE, celui qui gagne remporte un skin. Zephar, ça te dit une game en duo, si on fait top 1, tu m'offres un skin. On va aussi demander à Ila. Coucou Ila, je te défie 1v1 Box Fight, celui qui gagne remporte un skin. On a aussi demandé à Gizmo, Ney, Timut, Kingstar la star. Et The Red YTB. C'est bon, Ila Gameuse, une streameuse de 200 000 followers, a accepté notre défi. Ce sera un box fight premier en 5. Allo Ila. Ouais. Ça va ou quoi Ila? Ça va et toi, tranquille? Bah ça va. Let's go, c'est parti, le 1v1 box fight avec Ila. J'ai peur, tu me mets la pression en vrai. Je suis mort non? Oh j'ai trop peur hein, oh je stresse. Oh c'est bon pour toi, bien joué. Ouais. Ouais, je t'ai dit, je me suis entraînée ce matin. Vas-y, je suis tryhard hein. Vas-y tryhard du coup, moi je donne tout, je te le dis. Ah les armes elles sont mal rangées. Ah ça y est, tu commences à sortir des excuses ou quoi? Non, c'est vrai. Quoi? Bien yeah, boy. Ouais, c'est bon les gars, je suis mort. J'espère que t'as préparé les V-Bucks Hugo. Non. Je suis trop nul. Oh yes. C'est pas possible là. 3-0. Je suis bouillante. Ah, j'ai fait un 5-0 Hugo. Ah tu m'as bloqué dans ton escalier. C'est bon, je vais battre Remontada. Remontada. Yeah.
remontada. Mila, tu vas perdre. Non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, tu vas voir. J'égalise et c'est bon. C'est mort, je te laisse pas gagner, Hugo. J'ai relevé les manches, t'as acheté du pain. Je relève les manches. Yes, 3-3. Mais Ilan, mais c'est pas grave. Tu crois 3-0, je crois que j'étais mort. Je suis sûr que t'avais exprès de me laisser gagner les deux premières, tu vois, pour que je sois hype et non, tout. Hype. C'est mort, je veux pas perdre. Non, ça va me relâcher un skin. Non, mais vas-y. Mais comment là, c'est possible? T'as dit 5-0. T'as dit que t'allais me battre 5-0. Au début, je te battais 3-0, fais pas trop le bon non plus. Mais tout ça parce que tu spams. Là, ça commence à rager. Est-ce que je vois? Ouais, 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 ma manette. Yes. Allez, Edith. Mais non, mais il a pleure pas, voyons. Je m'en fous parce que tu sais pourquoi? Parce que je t'ai quand même grave mis la pression. Ok. Mais là, j'ai vu que t'avais seulement 300 V-Bucks, il va falloir ravitailler des V-Bucks. Okay. Là, qui passe à la caisse. Confirmation de la commande. Bon, c'est bon, j'ai acheté les V-Bucks. Qu'est-ce que tu veux dans la boutique? En vrai, là, j'ai un peu regardé la boutique. T'as un peu joué comme une banane à la fin. Du coup, j'aimerais bien la Bananius Maximus. Ah là là, d'accord. Avant d'offrir le cadeau, n'oubliez pas le code SUPUGO pour pécho. Oh, merci là pour ton cadeau. Et voilà les gars, on a Bananius Maximus. Dès qu'on mettra ce skin, on pensera à Ila et à la remontada PSG Barça qu'on lui a mise. Du coup Ila, bah gros GG à toi, je te fais plein de bisous et à la prochaine. Bye bye, gros GG pour ta victoire. C'est reparti sur Instagram pour avoir encore plus de cadeaux. On va demander à l'étoile noire. À Skip, tu fais des vidéos boutique, si c'est vrai, offre-moi un cadeau. Il y a aussi Piwer la biscotte. Coucou, offre-moi un cadeau, si t'aimes les biscottes, c'est pour une vidéo. Traki, le meilleur éditeur de France. Wesh Traki, ça te dit un 1v1 réalistique en 3, celui qui gagne remporte un skin. Jean-Fils a un fils, comment s'appelle-t-il? Jean, parce que Jean-Fils. Salut, tu adores les joueurs Switch, on m'a dit, si cela est vrai, offre-moi un skin. On a aussi demandé à Monsieur Brocoli, Blackbird, et plein d'autres youtubeurs. On a demandé un total de 75 youtubeurs. Après, il a Traki, le French éditeur de 368 000 abonnés YouTube, a accepté notre 1v1 réalistique premier en 5. Celui qui perd offre un cadeau. Bonne chance, frérot. Vas-y, c'est parti, mon ref, bonne chance. Quel meilleur gagne. Quel meilleur gagne. Après, au calme, hein. Moi, je suis pas si bon que ça, hein, en vrai. Je suis meilleur en élite. Tu vas m'exploser, hein. Dis pas ça. Tout de suite, tu pars perdant, c'est pas ça. Je vais pas me prendre un 5-0. Je vais essayer de te toucher. Ça, tu peux même me battre, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Ah bah... Oh, je sais pas le que j'ai fait, le gros. Nul. Ouais, je suis trop nul. Attends, y'a un petit problème là. Y'a un petit problème de connexion là, ça bug un peu là. La putain de merde, je vais perdre comme une merde là. J'ai trop mal joué. 25, les gros dégâts. Quoi? Attends, y'a un petit problème là. Attends, juste, je bois un petit apéro, frérot. Ah gros, j'ai même plus de vie là. J'ai 30 HP. J'ai un petit peu soif là. Mets-toi max. J'ai vraiment tellement mal joué, genre. Mais tu sais que j'ai failli te tuer, hein. Mais attends, mais comment ça, ça... Attends, mais y'a... Oh là là, dommage. Oh, j'ai 20 HP. Oh la vie de ma mère. Bon bah j'ai mon gars, 1-0. Mais tu sais que vraiment j'ai cru que j'allais tuer. Bon vas-y vas-y, la next tu me touches pas. Là je te touche pas et j'ai un space, hein. J'ai chasse vert. Il est chaud, il est chaud. Tu vas m'arracher le crâne avec ton space, mais vas-y, t'as perdu la high bet moi là quand même. Non, 2-0. Oh bien j'ai 2-0. J'ai toujours un chasse vert, gros, mais c'est grave. J'ai encore un space. Ah là gros, t'es obligé de gagner, hein. Mais gros. Ah. Oh gros, les balles que je prends, hein. Mec, j'ai plus de vie en fait. Il peut me pioche là en plus. Ah, abuse pas, abuse pas. Vas-y viens là, si c'est 4-0 la dernière fois il me pioche. Vas-y. Ah ouais. T'es trop fort. Elle toi, tu fais des edits toute la journée. Non, en plus j'ai arrêté l'edit. Mec, moi je fais des défilés de mode et je drague des streamers sur Twitch. Pour chacun son domaine, c'est ouais, bah, ouais, bah voilà. Par contre, tu sais que j'ai demandé à Michou, il m'a pas répondu, hein, lui. Ah bah, gros. Un cadeau, mais... Après tu vois, tu demandes à Michou aussi, tu vois. Même moi tu vois, j'aurais bien aimé faire une vidéo avec lui, mais. Je sais pas que c'est dur à le contacter, voilà. C'est impossible de se mettre du shield avec lui. Vas-y go, te pioche frérot maintenant. Ah c'est 4-0. Vas-y bah c'est là, t'es obligé de me pioche. Vas-y, je suis chaud. J'ai un space. Ouf, ça va aller très vite. Mais non, j'ai plus de vie. Non, je voulais te piocher. Maintenant je vais shiton Traki. Oh non, non, c'est 80. Maintenant je vais me faire pioche par Traki. Oh, là je suis dans la boutique et dis-moi quel cadeau tu veux que je t'offre. Frérot, moi je t'ai dit je vais faire le gourmand. Je vais te prendre le skin Sarah Connor là à 1800 avec la pioche. Y'a pas de soucis mon gars, je te l'offre directement. Je vais mettre des V-Bucks vite fait. Go prendre la carte à maman.
Du coup, les refs, hop là, tour de magie, 3050 V-Bucks, voilà. Si vous voulez avoir beaucoup de V-Bucks, vous mettez le code Spugo, vous connaissez. On va sur le skin Sarah Connor, faire un cadeau, et comme Tracky nous a explosé, voilà, code Tracky, hop, on envoie. Let's go, ça. Dis-moi dès que tu l'as, ouvre le gars. En espérant que ce cadeau te plaise, Spugo. Merci beaucoup, mon ref, merci infiniement. Oh, ah là là, c'est kiffé, bien sûr, je m'équipe, gros, bien sûr. Merci beaucoup, mon ref, merci beaucoup. En tout cas, mon gars, y'a pas de si gros GG à toi, t'es trop chaud. Il nous reste plus que 25 youtubeurs connus à qui on doit demander un cadeau sur Fortnite. Du coup, on va demander à Inox Tag. Coucou Inox, offre-moi un cadeau sur Fortnite si t'aimes bien les TN. Allez hop là, on envoie le message. On va demander à Daisy. Coucou tête de chips, ça te dit un défi? On lance une game en duo, si on fait top 1, tu m'offres un cadeau. On va aussi demander à Unchain. Salut Mamen, tu pourrais m'offrir un cadeau si on fait top 1 en duo? Il y a aussi Timoot. Coucou, tu pourrais m'offrir un cadeau, c'est pour une vidéo. J'ai aussi demandé à Nikoff, Mushway, Souche, YTB, Kensis, Blue Real, et encore à plein d'autres youtubeurs. Du coup, on vient d'atteindre la barre des 100 demandes de cadeaux à 100 youtubeurs connus. Le dernier youtubeur à avoir accepté notre défi est un joueur pro de 50 000 abonnés. Si on fait top 1, il m'offre un cadeau. On est parti avec Souche, le meilleur joueur manette de France, 65 000 points en arène pour décrocher la victoire royale et gagner un cadeau. Mec. Oh mais mec, Souche. Tu viens de shiton un mec là, ma parole. Le Sushi, il est déjà en train de me carry. Y'a un mec là, y'a un space là-bas. Tu vas aller où? On va au space. Attends, je teste un truc. Bon. Vas-y, je mets une répulsive, t'es prêt? Vas-y. Vas-y, oh, j'ai peur. Mort. Mort. Y'a d'autres ennemis. Vas-y, tue-le. Let's go. Je suis trop fort. Voilà, oh, là, on est bien là. Là, on est très bien là. Vas-y, viens, on écrase. Attention derrière toi, il arrive. Souche, meurs pas. Il a bugué. Mais non, il a bugué. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il fait là? Une petite balade. Et voilà, les gars. Faut mettre le code Spugo pour pas bugger. Et voilà. Sinon, vous finissez comme ça. Et voilà, je vole le kill de Souche. Mon kill? Ah ouais, mec. Je t'ai volé ton kill. Je vais te carry. Attention. J'ai le shoot à Souche. Oh, ça rime. Il a un HP. Allez, tu le tues. Attends, je le manette aide. Ah là là là. Attends, c'est moi, tu l'as mis moins 8 là. J'ai mis 2 moins 8. Ça fait 16. Parce que 2 fois 8 est égal à 16. Merci. De rien. Il y a une nuggets là. T'as pas envie? Je suis full nuggets là. Est-ce que toi aussi, tu prends de la sauce crème de luxe? Elle est trop bonne. Non, moi, je prends barbecue. Je déteste la sauce barbecue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus barbecue ou crémi de luxe. Moins 22 dans le blanc. Mec, je tente un truc, gros. Je l'ai manetted, vas-y. Oh, je l'ai tué, let's go. T'as fait comment? Avec le poulpe. T'as vu la technique ou pas? Tu tires dans le poulpe et ça met le dégât du pont. Et du coup, j'en ai mis deux, du coup, j'ai dû mettre 400 de dégâts. Aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les gars. Oh là là, quoi? On m'envoie des bruits d'arc, je ne comprends rien. C'est quoi ces bruits là, Souche? C'est l'arc qui explose là, ça m'énerve. T'as trafiqué Fortnite ou quoi? Non, c'est pas moi. Attends, regarde, hop, on va faire. Quel honneur d'aller dans l'extend de Monsieur Souche. Mort! Chiton! Je pioche! Aïe! Oh non, t'es trop fou, gros. Souche, attention, pas de bêtises, hein. Souche, je veux mon cadeau, hein. Il est mort, monsieur. D'accord, bah ça va, mec. Il y a des Peter Pan partout. Mais non, c'est pas Peter Pan, c'est Robin des Bois. Ah, il y a des Robin des Bois. Regarde la tour qu'ils ont fait là-bas. Viens, on va les arracher leur mère. Oula. Oh, désolé, Souche. Souche, j'arrive, pas de bêtises, Souche. Oh, non! Souche, j'arrive. J'ai fait tomber un monsieur en dessous. T'inquiète, je couvre, je suis pas un bombier. Vas-y, chiton! Mort! Chiton Axe! Souche, on est plus que 5! Devant, y'a un monsieur là! J'arrive, Souche, pas de bêtises. Nice, Souche, t'es un monstre! Souche, 2v2, s'il te plaît, active le mode Sushi. Mais quel flexeur! Mais Souche, s'il te plaît, calme-toi! Mais mec, je suis trop énervé là! Ah, ici, gros, regarde-moi ce Bambi! Mort, c'est le monsieur, il est pas mort là! Laisse-moi le kill! Vas-y, allez, BG, allez! Putain! Non, Souche! Non! Il est mort! On a gagné, Souche! Yeah! Let's go! Mon ref, t'es trop chaud. Bah gros GG à toi pour le top 1, mon pote. Bon, comme on a fait un magnifique top 1, quel skin voulez-vous dans la boutique, mon cher Supugo? Mon cher Souche, on m'a jamais offert jet de la rouge. J'aimerais bien que tu m'offres le petit jet de la rouge à 800 V-Bucks. Et bah mon ref, je te l'envoie tout de suite et je t'offre un cadeau. Gros Arsouche qui m'offre un cadeau. Merci mon ref pour le top 1 et merci pour la participation. T'es le boss. Merci aux abonnés qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un code de 1000 V-Bucks s'affiche à l'écran pour vous remercier. Et un conseil, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, car j'ai prévu de montrer ma tête en 2024. Mais ça, le dit à personne.